Bienvenue sur American Universe. Nous voici de retour après une longue absence sur l'excellent Sekiro. J'ai décidé donc de continuer mon guide sur les boss du jeu en New Game Plus. Et ici, on va s'attaquer à la chouette V2, donc la chouette du domaine d'Hirata. Dans les souvenirs du domaine d'Hirata, qui est un boss qui est assez tricky pour beaucoup de joueurs. Mais vous allez voir qu'avec un peu d'entraînement et en déconstruisant bien tous ses patterns, il est vraiment pas si difficile que ça. Sans être un boss facile, on va pas se mentir. Donc, la première partie, je vais m'atteler à décortiquer donc chaque pattern. C'est parti. Voilà. Je préconise la sortie mortelle. Pourquoi? Pour faire une punition en bonne et due forme. Vous voyez les dégâts sur sa posture. Ça marche super bien et ça marche surtout sans les pétards en fait. Voilà, ça c'est son Mikiri. Alors ça, c'est un combo qui est assez tricky. En fait, il faut savoir que systématiquement, lorsqu'il va faire un coup d'épaule dans son combo, derrière il va enchaîner avec des pétards et ça fait très mal si vous les prenez. Ça fait d'énormes dégâts. Évidemment, il a les mêmes techniques que nous, donc pétard de Robert. Et ça fait énormément de dégâts. Alors ici, son coup latéral, je précise, esquivé au dernier moment. Si vous esquivez trop tôt, il va changer pour faire un coup horizontal. Qui n'est pas du tout ce que vous voulez, puisque derrière, vous ne pourrez pas le punir. Voilà, là c'est son coup latéral qui est sur balayage en fait. Alors attention à ce double coup de pied. Le deuxième est considéré comme une chope ou un grab quoi. Il va vous faire très mal en vous écrasant en fait. Maintenant, en P2, vous allez voir, il a les mêmes patterns en fait. C'est juste qu'il va essayer de vous attaquer sous forme de chouette bleue. Et là, dans ce cas-là, courez, je vous préconise de courir, parce que lorsqu'il va arriver vers vous, il va faire les pétards de Robert direct. Vous voyez? Alors, ici, sur l'attaque de Kanji, de flamme, vous sautez au dernier moment. Ouais, en général, je fais un saut un peu en biais, donc sur le côté, mais c'est pas obligatoire en fait. Il suffit de sauter au dernier moment, et vous pouvez même sauter vers lui. Puisque derrière, il fait son Mikiri en fait. Donc, vous pouvez en profiter, mais le problème c'est que le timing pour faire le Mikiri est vraiment vraiment serré. Alors pourquoi j'ai préconisé les pétards de Robert, c'est justement parce que si vous vous sentez débordé, comme il attaque sans relâche, vous pouvez lui lancer des pétards et vous soigner. Vous avez vu qu'au niveau des patterns, il n'en a pas tant que ça, c'est juste qu'il enchaîne très vite ses attaques. Et c'est ça qui le rend vraiment difficile, en plus de faire très très mal. Allez, c'est parti, donc ici pour le combat en entier. Donc voilà, ici le fameux coup latéral, toujours esquivé au dernier moment. Donc le shuriken comme on l'avait vu dans la méthode, dans l'analyse des patterns, pardon, il va toujours faire un shuriken et un saut comme ça
vers vous. Esquiver. En fait, ce coup est complètement contrable, mais il est préférable de l'esquiver en fait. Pour lui faire des dégâts directement. Sa posture va monter beaucoup plus vite. Là, son stock. Vous allez vite la repérer, hein. Je l'avais mis un petit peu au ralenti aussi dans la première partie. Vous voyez, voilà. Là, il a fait le coup d'épaule. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller assez en arrière en fait pour esquiver ces pétards. En fait, son attaque de pétard, c'est limite l'attaque qui m'a le plus posé de problème. Parce que si vous êtes bloqué par exemple contre un mur ou contre un poteau, ça fait vraiment vraiment mal. Vous n'avez pas vraiment de possibilité pour esquiver. Maintenant, on peut esquiver aussi ces pétards vers l'avant, donc c'est-à-dire vers lui. Tout à fait possible. Maintenant, je vous déconseille tout simplement, car le timing est vraiment serré. Une fois sur deux, vous allez vous prendre les pétards, mais c'est possible de passer à travers ces pétards. Si je voulais esquiver, il y avait un pas vers la gauche, il y avait un poteau, c'était pas la bonne idée. Et vous voyez, la sortie mortelle, même si vous n'avez plus d'emblème, hein, ça lui fait d'énormes dégâts de posture. Donc vraiment, c'est un gain de temps considérable sur ce combat qui peut être vraiment long. Hein. Il a pas mal de vita. Hein. Une bonne posture. Alors, la P2... Donc comme je vous l'avais dit, lorsqu'il est sous forme de chouette bleue comme ça, il est dangereux que lorsqu'il va s'arrêter en fait. Et là, faire les pétards de Robert. Et donc, qui font très très mal, comme je vous l'ai dit. Là, il va encore faire les pétards, vous avez vu. Donc, chaque fois qu'il fait, il y a un coup d'épaule, pétard derrière. Maintenant, s'il a juste... la chouette bleue à ses côtés, c'est pas grave, ça c'est juste pour vous déstabiliser. Voilà, on a vu ici son attaque de flamme. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est une opportunité en fait quand il fait ça. Au début, il faut choper un peu le timing, mais après, honnêtement, c'est. Si vous arrivez à faire le Mikiri derrière son attaque de flamme, c'est vraiment tout bénéf pour vous. Voilà, je l'ai raté là. Mais vous voyez, c'est pas passé loin. Hein. Sachant que Mikiri fait énormément monter sa posture. N'hésitez pas aussi à prendre des sucres, évidemment, d'Ingo et d'Ako. Histoire d'avoir un peu plus de défense. Voilà, là, coup d'épaule. J'ai esquivé, pourtant, je me suis quand même pris des dégâts. Vous avez vu, hein, énorme, hein, les dégâts que je me suis pris sur les pétards, c'est... Ah, pour moi, c'est vraiment l'attaque qui me posait le plus de problèmes. Le Mikiri, ça, c'est la vie, hein. C'est ça qui va vous permettre de faire bien monter sa posture, comme je l'avais déjà dit auparavant. Attention ici. Alors, il va disparaître, voilà, et réapparaître évidemment toujours sous forme de chouette bleue. Là, dans ici, le Mikiri. J'étais trop loin pour le Mikiri. Donc. Vous voyez, et c'est ça en fait, c'est l'enchaînement ici des attaques qui fait que vous pouvez être débordé. Là, par exemple, j'aurais dû sauter. Je pense que ça, c'est une erreur de ma part. Là, ici, bon, largement la place pour esquiver. Mais j'avais dit une erreur en fait. Il va pas systématiquement faire les pétards quand il est sous forme de chouette. Il peut vous faire une attaque d'épée. Mais le mieux, c'est de s'éloigner le plus possible. On saute. Ah, voilà. Décidément. Je sais même pas si j'ai réussi à lui faire un Mikiri sur cette capture en fait. Et là, il a été bloqué par le pilier en bois.
Voyez la sortie mortelle, ici j'ai même réussi à arrêter son attaque. Vraiment... On saute. Eh non, Mikiri, non. Là, il a disparu. Dès qu'il disparaît, courez. C'est qu'il est sous forme de chouette bleue. Là, il a coup d'épaule. Il fait les pétards. Vous avez vu, ici, j'ai réussi à esquiver. Mikiri. Allez, essayez d'être agressif. Voilà, j'ai réussi. Voilà. C'est pour ça que je vous l'avais dit, hein, sur l'attaque de Kanji rouge, elle est impressionnante au début et elle peut être chiante parce que si vous n'avez pas le timing, elle fait très mal. Mais il suffit juste de sauter et derrière vous avez un Mikiri gratuit, hein, entre guillemets. Coup d'épaule. Et oui, il a toujours le même pattern, hein. Il n'y a rien de... Hop, si on saute... Non. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec son Mikiri. Félicitations à vous, vous avez battu la chouette paire V2 du domaine Hirata. Donc, un boss qui fait partie... des boss les plus difficiles de Sekiro. Vous avez souvenir père adoptif. Alors évidemment, au niveau du lore, je vais pas m'avancer. Mais on va dire qu'en face du sentiment que j'en ai, il attendait que ça qu'on le tue en fait. Mais c'est... Après j'ai pas assez d'éléments tangibles pour expliquer qu'est-ce qu'il fait là. Et surtout j'ai pas envie de spoiler les fins Shura. Mais je vous invite surtout à aller les voir sur dans mes vidéos, hein, donc sur mes vidéos des boss. J'avais fait donc la fin Shura avec deux boss inédits et j'avais adoré, dont un boss qui est, je trouve, plus difficile encore que la chouette V2 ici. La sortie mortelle, donc il fait des merveilles. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein, vous voyez. D'ailleurs, les pétards, je les ai utilisés une fois, je pense, sur le combat. Non, la sortie mortelle, ça nécessite d'être à un certain stade du jeu. Voilà. Et d'avoir la lame de la mort. Tout simplement. Mais que dire sur cette arène, hein, qui est... Et là aussi, je mettrai en lien le combat contre la dame papillon. Qui est aussi un combat assez intéressant. Mais voilà. Le tout, c'est de bien analyser tous ces patterns. Donc, comme je vous ai mis en première partie. Après, ça, normalement, ça devrait passer. Hein. Ça demande un petit temps d'apprentissage, mais... Alors, il y a sans doute... des méthodes pour le battre en utilisant des cheese, etc. Et tant mieux, c'est honnêtement... sans doute, hein, je ne sais même pas, en fait, je suis même pas au courant. Maintenant, voilà, je vais encore le répéter une fois, mais sur ma chaîne, moi, je préconise plutôt toujours de faire des combats de manière, entre guillemets, duel. C'est-à-dire, voilà, c'est pas... C'est mon approche. Et je trouve que c'est plus plaisant vraiment de se battre à mano. Comme on dit, à mano, donc...
Surtout que pour moi, Sekiro offre les combats de boss honnêtement les plus satisfaisants de tous les Souls. Voilà. C'est pas vraiment une hot take, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. Même si Elden Ring a des super boss, enfin, Sekiro est quand même, pour être revenu dessus un petit peu, Sekiro a des boss incroyables, vraiment. Elden Ring a pour lui, par contre, le plaisir de la découverte et un monde gigantesque et sidérant, quoi. Donc. Alors, au niveau des boss majeurs de Sekiro, j'ai traité quasiment tous les boss du jeu. Sachant qu'il me reste en fait un boss, mais qui est vraiment. Qui est très beau, mais qui est un boss, on va dire, plus pour l'histoire qu'autre chose. Il me reste un boss atroce qui est optionnel, que je déteste. Je pense que ceux qui ont fini le jeu peuvent voir de qui je parle. Et il me reste le boss final en fait. Mais même pas, parce que le boss final je l'ai déjà traité. C'était une de mes premières vidéos donc sur la chaîne. Mais j'aimerais bien l'aborder avec de nouvelles techniques. Évidemment, je me suis amélioré depuis. Que ce soit au montage vidéo ou. Même en skill hein, dans Sekiro, soyons modestes. Mais oui, il restera le dernier boss que j'aime beaucoup. C'est vraiment, je trouve, un super boss. Même si j'avoue que j'ai été étonné par le boss final de la fin, Shura. Sans spoiler, je vous invite à aller voir si vous êtes sur cette voie-là en fait. Je pense que je préfère ce boss au boss classique. Ah, c'est la fleur qu'on a récupérée donc sur le père. Ouais, donc ici je suis sur la voie pour avoir entre guillemets une bonne fin. C'est sans doute la voie, le retour du dragon. Maintenant, il faudrait que je me renseigne pour voir d'autres fins qui diffèrent un peu. Pour l'instant, j'ai vu deux fins, mais apparemment, il y en a quatre ou cinq. Oui, ici, j'ai regardé un petit peu ce qui me manquait au niveau des améliorations des outils de prothèse. Il m'en manque encore. Ce sera sans doute pour un new game. Plus, peut-être je vais passer en New Game Plus 3 du coup. Je ne sais pas trop. Comme Sekiro, j'ai fait des longues pauses. Et oui, ici je vais en fait offrir du thé. Pour en apprendre un petit peu plus sur le sculpteur. Pour marquer qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de statues, hein. Ça tourne vraiment à l'obsession. ふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、
お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした。忍び義手をまともに動かす修練じゃと言ってな、絵馬にせがまれ駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。随分と経つ。Très intéressant ce qu'il nous a dit. En fait, de Gaine, hein, on l'aborde. Je vous invite à aller voir mes vidéos donc sur Genichiro, où le père d'Emma, donc de Gaine, qui était un grand ingénieur et médecin, était déjà évoqué. Et ma vidéo sur la fin Shura, tout simplement, où on apprend aussi énormément sur de Gaine, sur Emma, donc. Et sur notre prothèse, hein, par extension. Et, c'est super intéressant. En tout cas, j'espère que je vous ai bien aidé. Et je vous dis à bientôt sur Miracle Universe. Ciao, ciao!